Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play de Marwa. Hey Marwa, oui, j'allais dire, on t'a quitté en état de précoce accouchement, hein? Oui, il est l'heure, il est temps, ma belle, que tu mettes bas. Tiens, qu'elle est boue, tu peux jeter ça, voilà, on s'en fiche. Oui, ça y est, il est l'heure, donc on va de suite acheter ce qu'il faut pour accueillir un bambinouche à la maison nouche. Est-ce qu'on choisit le petit truc de vampire, effectivement joli, joli, petit vampire. On va le mettre là. Comme ça. On va se dire que... C'est la chambre des parents, bon, avec tous les portraits qu'il y a, c'est un peu, oui, la chambre des parents, quoi. J'ai le stress dans mon cœur. Oh, Marwa va devenir maman. Allez, tu vas voir un bébé, ma belle. Ça y est, on n'est pas prêt. Personne n'est prêt. Elle est encore avec sa tenue d'aventurière de la jungle. La lune de miel a été dure. Attention. Ah mon Dieu, je me stresse. Et c'est une fille! Oh là là! Et voilà, Marwa et Caleb ont une petite fille. Alors, j'avais dit que j'avais réfléchi déjà pour les prénoms. Et je voulais un prénom un peu spécial, un peu qui change. Pas genre Julie, j'en sais rien moi. Enfin, un truc un peu basique. Quand même, Marwa, Caleb, c'est quand même pas des prénoms basiques. Et donc, c'est un prénom que j'aime beaucoup. Et c'est Azenor. Et je... en plus. Azenor Vatore. On pourrait dire Azenor Vatore, mais Azenor Vatore, c'est quand même beaucoup mieux. Oh. Une petite fille! Et voilà. Nous avons un enfant. Et la petite, comme n'importe quel bébé, pleure. Et mille simflous grâce au droit d'auteur de Kalebou. Kalebou, tu peux venir là et faire connaissance avec ta fille. Réaliser sans envie de film. Ah bah d'accord, bah écoute, c'est tant mieux. Donc moi je me pose la question de comment un bébé Sim peut vent prendre le lait de la maman Sim qui ne mange pas. Bref, tout va bien. Dis donc, elle avait faim, la petite. Oh, on voit pas comment ça me gaffe, hein. Non mais, Caleb, viens ici. Arrête avec ton verre d'eau. Ou avec ton lavage de main. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Alors, tu vas serrer dans tes bras et babiller à ta fifi. Marwa, tu vas gueuler sur Nabeshima, là, parce que ça va pas. Sermon à propos de manger les ordures. Mais non, tu vas y arriver, Caleb. Oh oui, regarde, t'as une jolie fifi. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Ouais, et Nabeshima, après avoir mangé dans les ordures, elle joue dans les ordures. Donc tu vas jeter ça, parce que c'est pas possible. Oh, Kalebou et sa fille. Bon, et ben voilà, hein. Une petite vampire est née aujourd'hui. Et la vie est belle. Ben oui, hein. Maintenant, ils ont eu un enfant, c'est l'amour. Oh, non, on va pas encore refaire des bébés tout de suite, hein. On va se laisser un peu le temps. Vas-y, tu veux l'embrasser angoureusement pendant que Nabeshima, elle fait joujou. On n'aura jamais réussi à faire des enfants avec Nabeshima, mais avec Marwa, on peut. Rieko, comment ça se passe? T'as soif, cocotte? Pas à peine de boire de l'eau, ça va pas te suffire, tu sais. Et en toi, t'as énormément de plasma fruits. Hein. Allez, commence pas. Mange tes plasma fruits. On va s'occuper un peu de toi parce que toi, je voulais te caser avec. Ah ouais, les voisins qui font des choses. On voit rien hein, chez eux, mais ils font des choses. Oh là là, les deux là, ils en peuvent plus, ils vont nous faire un gosse. Re-nous faire un gosse, quoi.
Ils sont trop beaux avec leur habit de la jungle. C'est vrai que maintenant qu'on est revenu de la jungle, il va peut-être falloir qu'on s'occupe de ce qu'on a récolté. Et puis qu'on s'occupe un peu de Rieko. Voilà. Ah bah d'accord, Marwa a eu j'ai envie de jouer un peu de guitare. Parce que là, les habits de la jungle en ville, ça le fait plus quoi. Ah bah tiens, Rieko. Tu vas vampiriser, boire du plasma, obliger à prendre du plasma à ta voisine. Enfin, la voisine de. Mais de où? Elle rentre chez eux. Attends, ça va bien, oui. Ça, tu vas prendre un peu de pouvoir. Vampire, provoquer une hallucination. Tu vas prendre un peu de pouvoir, comme ça, tu vas gagner des points. On va te rendre insensible au soleil aussi, ça va être bien. Je veux dire, si la mère elle est là, qui c'est qui fait des bruits d'amour dans l'appartement? Parce que. Elle est enceinte? Non, alors, tu touches même pas en rêve, tu touches un autre gosse. Tu vas te faire enfluer. C'est Marwa qui s'occupe de sa fille, tu vois. Toi, tu dégages. Rieko, je t'ai dit de la provoquer une hallucination. Déjà, qu'est-ce qu'elle fout chez nous? Tu fais quoi, Nabishima? D'accord, t'as besoin d'être dans la chambre pour. On lui demandait de partir. Touche pas à notre chat! Saloperie de voisine. Bon alors, Marwa, ça te fait quoi? Tu es maman, ça y est? Bon, pour l'instant, c'est un petit machin qui ne demande pas trop d'entretien, donc hop, elle va faire visio à son homme. Curieuse à propos des groupes. N'est pas une réunion de groupe. Voisin bruyant. Ouais. Ok. Bon. On va un peu. On va donc s'atteler à ce qu'on. À notre suite de notre lune de miel. Je vais y arriver. Je pense que c'est là-dedans. La table d'archéologie. Yes. On va la mettre là. Si on a un peu de place. Quelle couleur? En blanc? Comment il est notre couloir? Ouais. Ouais, bah c'est bien comme ça. Et on va pouvoir découvrir ce qu'on a eu, ce qu'on a récolté et compagnie, puisqu'on n'a pas eu le temps. Ouais, on n'a pas eu le temps. On est revenu de vacances un peu précipitamment. Marwa devait accoucher. Alors, s'entraîner à authentifier un objet ancien. Et on en a un paquet, hein? Juste pour Marwa. Donc, couteau, crâne, statue. Allez, on va commencer par le premier, on verra bien ce que ça donne. Non, arrête Internet, ma belle. Toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de jouer à la sérénade à Marwa? C'est bien. Tu peux montrer des photos de Salvadorada à Rieko? La petite, elle est calme. Regarde nos photos de. Ah, c'était vachement beau, Simon. Ouais, bah merci, on sait pas qui tu es, mais merci. D'accord, et puis donc Rieko, j'avais dit qu'on allait s'occuper de la demoiselle. Est-ce que tu peux appeler Gaston? Tu vas discuter avec lui, tu vas lui envoyer un SMS et puis tu vas l'inviter. Je suis pas sûre qu'il vienne parce que c'est aussi un vampire et qu'il voudra pas venir sur le terrain, mais. Toi. Oh, c'est Steven, il est encore vivant. Falaise, bah non. Gaston, il veut pas venir, bien sûr. C'est normal. Tiens, on va parler avec ta fille. Oh, Kalebou. J'aime trop leur tenue en fait. Ah, mais j'aimerais tellement, tellement les laisser vivre à Salvadorada. Mais bon, ça va pas être possible malheureusement. Non, mais l'autre, elle veut vraiment se. Tu vas dégager de chez nous. On t'a jamais demandé de venir chez nous. Tu touches, même pas tu touches. Après, ah!
était authentique. Cool. Non, Marwa, elle est beaucoup trop rapide. S'entraîner à l'analyse. Et tu vas mettre ça dans l'inventaire. Allez, casse-toi, connasse. Vas-y, qu'elle est vire là de la maison. C'est ça, pars-toi. Voilà. Tu vas encore babiller ta fille parce que tu es gaga. Tu vois, tu es un vampire qui je ne sais pas que, combien d'années tu as, de centaines d'années tu as. Et c'est ton premier enfant. Il était heureux parce que voilà quoi, il était temps. Azenor. J'ai hâte de voir comment elle grandit. Bon, alors j'étais en train de regarder ce qu'avait Caleb dans son inventaire. Et il a ça. Et qu'on peut fusionner, donc je vais. On va tester, hein. Une relique de la mort. Oula! Avec une tête de lama. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais sérieux, les voisins! Mais foutez le camp de chez nous, quoi! Ah, oh, c'est pas possible! Et il s'est passé quoi avec ta relique, mon beau? Parce que là, j'ai pas suivi. Il s'est rien passé. Il y a ça. Non découverte. Ouais. Ça fait rien, en fait, c'est ça? Ce que t'es en train de me dire, Caleb? Ah, il faut insérer un cristal. D'accord. Envoyer un bijoutier. Envoyer un bijoutier. Oui. Oui, je peux voir en plus grand ce qui se passe, s'il vous plaît. Envoyer un bijoutier. Envoyer un bijoutier. Tac, tac, tac. Ouais. Il a l'air d'en manquer un peu, non? C'est quoi ça? Manger les baies de bonheur? Non. On va juste faire reproduire une grenouille. Ah! Marwa, est-ce que tu as fini? 850 hein, quand même. Et tu mets dans l'inventaire. On a envoyé plusieurs cristals. Hop. Toi, tu vas découvrir un objet ancien. Allez. Fais-toi plaisir, ma jolie. Je sais pas trop ce qu'on va découvrir, mais... Voilà, mais il y a tellement de trucs. Je devrais limite en mettre plusieurs de tables de... Ah, il y a celui-là aussi. Envoyer un bijoutier. On verra bien, hein. On va faire plusieurs combinaisons. On trouvera bien ce qu'il nous faut. Voilà. Oh, punaise. Azenor a la peine autant de crier que Caleb, il s'est rué dessus direct pour s'en occuper. Ça, si c'est pas un papa poule, moi, je sais pas ce que c'est, hein. Mais apparemment, il sait pas s'en occuper. Ah, si! Il va lui donner le bibi! Oh, il est trop mignon! Caleb, père parfait, quoi. Pendant que Marwa est en train de grogner. Caleb, bonne. Tu peux bercer ta fille. Tu nous choisis... Ah, alors, tu nous découvres un couteau. C'est ça? Ouais. Un couteau non authentifié. Ouah, fou, compliqué. Je voulais peut-être faire une réunion de groupe pour que Monsieur Gaston se pointe. Oh là là, c'est quoi ces casquettes? Hop. Ah. Caleb, faut changer la couche. On a encore le temps, Steven. Ah mais non, mais Steven, c'est pas vrai. Steven, il a jamais pouponné, vous voyez, il est vieux. Mais viens ici, Caleb. Mais Steven, c'est pas à toi de faire ça. Oh. C'est pas possible, hein. Alors, Rieko, opération séduction. Raconter une blague sur les canards. Complimenter la tenue. Discuter des saveurs de plasma. Partager des photos. Oh! C'est vrai! Ah bah... Oh, quelle horreur! Oh putain! Elle a les yeux verts. Oh la vache! Oh, elle fait peur! Elle est affreuse! Mais oui, parce qu'on l'avait transformée, mais ça date d'il y a beaucoup... Il y a très longtemps, quand même. Et
On nous le dit que maintenant, enfin, on voit sa transformation qu'aujourd'hui, c'est un peu ridicule parce que, bon, normalement, c'était il y a plusieurs jours pendant qu'on était en vacances. Mais bon, hein, on dira rien. Mais vas-y, fais connaissance avec Gaston, là. T'as jeté ton dévolu sur lui. Conversation profonde. Moi, j'ai vraiment envie de les caser, en fait. Donc, il faut s'extasier sur le chanteur préféré, sachant qu'il chante. Voilà. Plus tu fais connaissance avec lui, mieux ce sera. Et plus vous pourrez vous faire des bébés. Discuter des derniers jeux. Se renseigner sur la carrière. Voilà. Elle découvre ses traits. C'est parfait. Conversation profonde. Discuter des centres d'intérêt. Oh, il y en a une qui est pas contente. Mais Lilith, tu n'as pas été voir encore ta filleule. Enfin, ta filleule, ta nièce. Calebout. Tu peux, du coup, appeler. Et tu vas discuter avec Lilith, quand même. Qu'est-ce qu'il fait? Il est un grain, ce mec. Alors... Marois a découvert... Qu'est-ce qu'elle fait? Un couteau médiocre. Couteau de bronze en... Couteau de bronze en bronze? Couteau de récolte en bronze, c'est moi qui sais pas lire. Je vois quelqu'un... Ah merde! Ah oui, on l'avait casé, le petit Gaston. Oui, ils vivent ensemble, mais... Parler de sandwich fromage fondu. Ouais, mais c'est pas grave, nous, on va... Vous savez bien que tout est toujours possible dans les Sims. Même quand tu es marié, tu peux voir ailleurs. En même temps, mais pas que dans les Sims. Voilà. Illumine la journée. Prends une photo ensemble. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais, Marois? Tu nous fais des pas de danse? S'entraîne à danser. Ouais, d'accord. C'est très bizarre comme truc. Hein. Tu vas dire bonjour à Lilith? Tu vas pas non plus vous draguer, hein, j'espère, parce que j'en ai marre des dramas. Hein. Oh, le rire gras de Marois. Bon, Lilith, elle a du mal, elle veut pas rentrer dans la maison. Elle est un peu bizarre, cette fille. Bon, Gaston et Rieko sont bons amis, donc va y avoir un peu... On va pouvoir quand même faire quelques petites choses de bien. Alors, oh, je fais tout et n'importe quoi. Blague perso. Et puis, on va un peu tenter. Question risquée. C'est risqué, mais effectivement. Mais pourquoi ils ont enlevé toutes mes actions? Oh, ça m'énerve. Conversation profonde. Trop d'actions. Ça marche pas. Vas-y, meuf, enchaîne. D'accord, elle était en train de... Enfin, ils font leur formation, donc ça marche pas. Je sais pas. Bon, allez. Technique de drive. On va bien voir si ça fonctionne. Hey, je vous avais dit que ça allait marcher. Ils sont enjôleurs maintenant. Ah oui, elle a la rougeole, dis donc, elle est dégueulasse. Bon, allez, on va attaquer les choses sérieuses là. Eh oui! Ben oui, attention, hein. C'est facile chez les Sims. Tu vas envoyer un baiser? Et on va corser un peu plus les choses, hein. Embrasser les mains. Ils sont très enjôleurs. Moi, je dis, ça va finir dans un cercueil, tout ça. Ça fonctionne. Bon, elle lui éternue dessus, mais c'est pas grave. Prends une pose sexy. Échanger les numéros de téléphone.
J'espère que ça devrait aller après pour le bisou. Yes, premier baiser dispo. Allez, 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 allez. Allez ? Oui, mais on s'en fiche. On veut pas parler à plusieurs, nous. On veut juste... Oui, oui, oui ! Oui ! Oui ! Ça a fonctionné ! Ça a fonctionné ! Eh, je vous avais dit que ça allait fonctionner. Tu vas l'enlacer aussi. Voilà, hein, il faut ce qu'il faut pour draguer, hein. C'est pas grave s'il voit quelqu'un. Hein. Ah mais y a pas plus. C'est très bizarre cette histoire. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais mec, si tu veux dormir... J'ai pas compris là. Ah voilà, murmuré suavement. Non mais va pas dormir Gaston, il est pas l'heure. Il est minuit 40, vous êtes des vampires, vous vivez la nuit ou quoi? Marois vient de devenir une connaissance? Bah oui. Oh, comment elle danse! Ah oui, d'accord. Et Caleb aussi va s'y mettre. Allez. Et Lilith, elle est coincée. Tout va bien. Mais non, Lilith... Peut l'appeler ou pas? S'il vous plaît. Invitez Lilith à danser. Ah ouais, parce que là, la meuf, elle reste dans le couloir depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Marois? T'es... Pourquoi tu lis un livre d'un seul coup? Bon, là, Azénor, elle va bien. Marois, tu vas peut-être te laver. Allez, tu vas prendre une douche. Ah, c'est cassé ici. Bon, allez, on remplace, c'est pas grave. Oh, tu vas prendre une douche. Bon, on en profite, Steven, il est bientôt... hein? Il est bientôt dead. Rieko, il faut que tu prennes un médoc. Ouais, on n'en a pas. Je crois que Caleb, il en avait. Je suis plus sûre du tout. Oh, c'est peut-être Marois. Mais Marois, elle a tellement de bordel là-dedans. Oui, Marois, elle est bien dans son inventaire. Donc Rieko va le prendre. Elle va être guérie. Tu vas réveiller Gaston aussi, et puis vous allez passer aux choses sérieuses, parce que bon... C'est pas tout ça, mais voilà. C'est tourné manège ici. Et au fait, je t'ai laissé dormir, mais il y a moyen qu'on dorme ensemble aussi ou pas? Oui, il n'y a pas trop d'interaction... Ouais, ils peuvent pas faire crac crac, on dirait. On va avancer quand même un petit peu et puis. C'est peut-être parce qu'ils sont en réunion de groupe, peut-être. J'en ai aucune idée. Vraiment là, je ne sais pas. On est très énergisée, demoiselle. Oh putain! Oh le vent! Oh la violence! Ok, il veut plus. Il est plus dans le mood. Pourtant, on s'est embrassé, mec. Oh oui, il est très bizarre, ce garçon. Hein. Il veut pas. Mais elle s'est pris un de ses vents. C'était violent. Ok. Oh putain, mais sérieux! Bon, ça sert à rien là, vous avez discuté, monsieur, il est pas d'humeur. Marois, au lieu de te regarder dans la glace là, occupe-toi de ta fille. En espérant qu'elle soit si belle que toi. Hein. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'avec les vampires, c'est que même le bébé qui gueule à 3h du matin, c'est pas dérangeant. Qu'est-ce qui va se passer, là?
Ah, ils vont danser. Bon, du coup, je crois que c'est mort, quoi, ou pas? Compétence 2 en éducation pour Marwa, déjà. Mais Marwa, elle a pas été douchée? Ah si, mais elle s'est rhabillée comme ça, d'accord. Très bien. Bon, bah non, mais moi, je sais pas encore, hein. Je vois ce qui se passe. Bon, je retente un peu le coup parce qu'il y a marqué conversation suggestive et qu'il a l'air un peu... Voilà. Ah! Voilà, maintenant il est open. Là, franchement, il est compliqué à cerner, ce Gaston. Bon, vu qu'il est open, on va enfoncer les portes ouvertes. Ah bah non, merde. Mais je comprends pas, mec. Je comprends pas. Un coup il est open, un coup il l'est plus. C'est hallucinant quand même, hein. Il est bien chiant. Il est très chiant. Ouais, mais ils veulent tous danser, hein. C'est une boom permanente, les réunions de groupe ici. Allez, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... Non, c'est informel. Ah si, ça va, c'est un enlaçage comme ça. Est-ce que... Technique de drague. Les réunions de groupe, on va gagner. Mais ah, punaise, mais c'est sérieux. Ouais, je vais pas... On va pas... Voilà. On va discuter. On va discuter, et puis c'est bien quoi, voilà. Voilà, hein. On va raconter des blagues sur les canards. Tant pis, on reviendra sur lui une prochaine fois. On va mettre fin à la réunion, parce que là, ça commence à faire long. Il y a 6h du matin, je sais qu'on est des vampires. Arrête! Et va manger un coup. Marwa, on va mettre fin à la réunion. On a gagné pas mal de points. Allez, Zou. Voilà, fais ton robot si tu veux. On a eu pas mal de points. Tu vas manger et tu vas ranger tout ce qui traîne. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Rieko, elle va aller prendre une douche, t'as raison. Et après, tu iras dormir. Oui. Mais non, va prendre une douche et va dormir après. Voilà. On va éteindre la musique. Marwa et Caleb, ils vont se faire des petits mamours. Et ils vont... Je vais aller les faire dormir aussi un petit peu, hein. Histoire de... Ils vont me faire un petit crac-crac. On va pas enchaîner tout de suite les enfants, parce que sinon on est mal barré. La petite, elle est là. Voilà, la petite vampire Azenor. J'espère que ça vous fera plaisir que nous avons une petite fille, que Marwa est une petite fille avec Caleb. Ils vont partir faire leur petite crapulade à côté de Azenor, c'est pas grave, hein, la petite, comme ça on lui apprend tout de suite dès maintenant les choses de la vie. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vais vous quitter ici et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et je pense qu'on va un peu plus découvrir ce qui nous attend dans les découvertes de Selvadorada et de la jungle, parce que c'est vrai que là, on n'a pas énormément avancé. J'avoue que rentrer en ville, là, dans l'appartement, ça me plaît plus, en fait. J'aime plus être là. Je préférais être dans la jungle. Mais bon, toute bonne chose à une fin. Comme cet épisode, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!